toute façon, il va y avoir plein de petits échanges, je pense, aujourd'hui. Il est où? Ok. Mais l'œuf de Nidoran, on l'avait fait? Je suis persuadé. Il est à la pension, c'est pas. Il est dans le PC. Je suis persuadé d'avoir laissé Nidoking. Vous vous rappelez pas que j'ai laissé Nidoking à un moment donné? Ah ouais, non. Peut-être pas, j'ai peut-être fumé. J'étais persuadé d'avoir laissé Nidoking, je vous avouerai. Et du coup, j'ai totalement fumé. MP Twitch directement. Comme vous voulez, on va passer par MP Twitch. Tu l'as pas échangé par inadvertance. Non, il est pas dans mon Pokédex. Donc non. Sinon, je l'aurais dans mon Pokédex. Je dis pas qu'il était boîte 8. Ça. Hop. Alors. On va faire ça vite fait. Ouais, je sais pas, mystère irrésolu. Hein. Hop. Voilà, papy vous donne un œuf. Très bien. On va le faire éclore vite œuf. Sans mauvais jeu de mots. As-tu récupéré un Pokémon? Oui, Nidoking. Voilà. Dans l'oreille composé augmente les chances d'en rencontrer un Pokémon. Ouais, je sais, je sais, je sais. Tout à fait, ouais, je suis au courant. Oh merde. C'est de la merde ce truc à chaque fois. C'est nul. C'est nul. Okay. Allez, go. Go, go, go. Bon, j'imagine entre 1005 et 2000 pas, comme d'hab. Quelque chose du genre. Donc comme ça, au moins, lui, ça passe. Après, on a déjà Nidorino, parce qu'on avait chopé Nidorino. C'était juste Nidoran qu'on n'avait pas trouvé. Je crois qu'il est impossible à choper. Je sais plus ce que c'est, le truc. Je sais plus ce que c'était. Si, peut-être, mais juste qu'on l'avait pas trouvé. On va redescendre un peu. Voilà. Je sais plus ce que c'était. Mais bon, du coup, on va le récupérer, comme ça, on sera good. Et par contre, ça m'étonne, quand on a fait les évolutions, enfin, les évolutions, les œufs l'autre jour, ça m'étonne qu'on l'ait pas chopé. Enfin, qu'on l'ait loupé, quoi. Ça, pour le coup, c'est étonnant. On a bien mis Volcaropod, donc pour éclore plus vite. Ça doit pas être très long, les œufs de... Pas, je sais pas. C'est vrai qu'il y a eu composé, mais je sais pas du tout combien de Pokémon il me manque avec Pierre Lune en vrai. Mélodelf, c'est bon. Gros Doudou, c'est. Ah, oh, 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 Mélodelf, Gros Doudou, c'est bon. Je suis pas sûr en fait. Je crois que je les ai pas fait évoluer tout cela. En fait. Et oui, en fait, il va me manquer plein de Pierre Lune. Mais je pense qu'on va quand même tenter le truc de les composer et tout et Larsa. Hein. Mais déjà, Deadshot, si t'en as deux, ça nous fait deux à farmer en moins. Je dis pas non. Effectivement. Effectivement, why not. A voir. Petite astuce, si tu spammes le bouton pour changer d'appli Pokardar, ta liste en chiffres. Je sais pas si je suis clair. Non, c'est pas clair, je comprends pas. Tu spammes le bouton pour changer d'appli. Attends. Ah putain, oui, d'accord. Ok, oui. Bah après, le truc, c'est que je sais pas laquelle c'est... La 4. Oh putain, tu me changes la vie. Oh god, tu me changes la vie de ouf. Bah c'est con d'apprendre ça à la fin, mais...
Je pense qu'il y a, beaucoup de gens qui ne savaient pas ça. Il m'en reste une, je suis arrivé sur le Kabuto. Oh, trop cool, merci. Trop gentil. Il est long là par contre, Nidoran là. Il nous fout quoi là? Ah, il fait du bruit avec l'or. La découverte du siècle. C'est cadeau. Ça correspond à quoi, fossil griffe? Alors là, comme ça, je sais pas. Je ne sais plus, pour le coup. J'ai fini le Lex, donc t'inquiète. Ah ouais, t'es bien. T'es bien. Ok. Petit Nidoran. Qui vient s'ajouter au Pokédex. Quoi? Mais c'est pas ça qui nous est arrivé l'autre jour? Attends, quoi? Comment c'est... What the fuck, c'est possible ça? Comment un Nido King peut donner un Nidoran femelle, c'est possible? Pour moi, un Nido King donnait forcément un Nidoran mâle et un Nido Queen donnait un Nidoran femelle. C'est ça qui s'est passé. 100%, c'est ça qui s'est passé, mais dans le speed du truc, j'ai pas capté. C'est juste que tout à l'heure hier, on a dû faire ça aussi. C'est une chance sur deux. Bah, c'est pas logique. What the fuck? Bah, en tout cas, mais non, je suis pas le seul surpris, quoi. What? Oh, ça va être chiant. Quelle incohérence. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, ouais, c'est pas grave. Tant pis. En soi, si, c'est comme pour Tarsal. Si c'est mâle ou femelle, l'évolution n'est pas la même. Même si je suis d'accord, techniquement, c'est pas le même Pokémon dans le Pokédex. Bah ouais! C'est pas le même Pokémon dans le Pokédex, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas logique. Donc clairement, pour moi, ça n'a aucun sens. On va en faire plusieurs, hein. Je vous le dis, on va en faire plusieurs, comme ça au moins, on a bien un qui sera bon. Et alors là... Tarsal, la différence, c'est qu'effectivement, c'est le même numéro dans le Pokédex, là, c'est pas le même Pokémon. Je sais pas, c'est bizarre. Puis surtout, je crois que ça m'était jamais arrivé, un truc comme ça, donc je sais pas. Surprenant, en fait. Avec maintenant, j'ai 3 pierres, du coup. Ok, t'es good, là, Deadshot? Si t'es good, si tu veux, on le fait maintenant, hein. Bien soin. Ok, il m'en faut encore 2. Enfin, encore 3. Merci Gallifrey Lossif, je viens tout juste de devoir vendre ma carte graphique chérie car besoin de thunes. Gros point au cœur. T'as regardé, me faire un peu de bien merci. Oh, le pauvre. Bah alors. Bah écoute, on est là pour ça, Gallifrey, t'inquiète pas. On est là pour ça, gros soutien. J'espère que t'iras mieux. Attendez, j'en ai combien là? Encore 2. Histoire d'être sûr quand même, sur 5. Si on n'en a pas, je comprendrai pas. Ah, attendez. Ouh! J'ai mal au doigt. J'ai donné le mot de passe Discord safe. J'avais dit privé! Mondial. Par contre, c'est quoi ton mondial? Attends. Ah oui, non, d'accord. J'arrive. Hop. Pas éteindre la console. Parti se regarder. Ok. Alors. Hop. J'arrive. Ok. Alors. Nous revoilà. C'est toi, Deadshot? C'est toi? Tu vas me dire que c'est ton skin, ça?
Comment on bouge ensuite? Léa. C'est toi? Pourquoi tu t'appelles Léa? Alors, comment on fait? Moi c'est Léa. Pourquoi tu t'appelles Léa? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Tiens, tu veux un Nidoran? Ouais, c'est bien toi. J'étais étonné aussi. Tu nous caches des choses, Deadshot. Tu nous caches des choses. Visiblement, je sais pas ce que tu fais de tes soirées et tout, ça te regarde. Hein. T'es pas en live. Ça me bute. Ok, donc lui, il sera niveau 40. Ça va être long. Mais bon, toujours ça de prix. Merci, Nonante, du coup. Grâce à toi, le petit Kabuto. On aura peut-être besoin de toi tout à l'heure encore, Nonante, hein, en fonction. Je te le dis. On verra. Ensuite, qu'est-ce que je peux te passer? Un fouinard? Ça te va? T'as besoin d'un Pokémon spécifique, n'hésite pas. J'aurais besoin, là en vrai, un des vrais besoins que je vais avoir, ça va être un Apitrini femelle. Si quelqu'un a un fucking Apitrini femelle. Parce que ça, on en est un peu loin, mais je sais qu'il va arriver. Quand il va arriver, on va avoir l'air bête. Ça va être relou, l'Apitrini femelle à choper. Et tiens, mon griffe. Vol celui de Aaron. J'ai pas... Vol celui de Aaron. Qui c'est Aaron? Putain, je me rappelle plus. Qui est Aaron? Le petit mangriffe. Bon, merci Nonante, merci Deadshot en tout cas. Merci à vous. Ça va nous bien nous avancer. Conseil 4 insectes. Ah! Ok. Happy femelle ou un happy reine? Bah, l'idée c'est que j'aime bien quand même. Ok, je me fais aider au niveau des échanges et tout, mais si je peux quand même après, moi, farmer le Pokémon, le faire évoluer et tout, tu vois, de participer un minimum quoi. Comme ça, pas non plus le truc sur un plateau. Bon, après, il y en a qui le feraient en soi, mais c'est vrai que je préfère un minimum quand même farmer le truc. Donc, je préférerais un Apitrini femelle. Maintenant, si c'est trop galère et que quelqu'un a un Apirène, au pire, un Apirène, oui, mais. Mais voilà. Il dépend, quoi. Alors, attendez. Nice. Alors attendez, on est d'accord que Nidorina. Déjà. Apitrini, femelle shiny, waouh. Mais toi, tu t'es chauffé, toi. Toi, c'est incroyable. Ok, alors ça avec Pierre Lune. Hop, Nidorina en Nidoqueen. Donc un de plus que nous n'avions pas. Pareil, parce qu'il nous manquait cette fucking Pierre Lune. Il me semble que je peux faire évoluer également Melodelph et Gros Doudou, mais je veux vérifier avant. Pas les gâcher quand même. Je veux vérifier que je les ai pas. Parce qu'imagine en fait je les ai. Mais pour. Enfin, je vois pas pourquoi je les aurais en soi, mais. Je veux quand même vérifier. Regardez. Vous savez qu'avant, je préférais Nidoking. Et j'aime toujours énormément, mais de plus en plus, je sais pas, je. Nidoqueen, en fait. Donc Melodelph, on l'a pas. Et Gros Doudou, on l'a pas. Ok. Alors, Melofée. Là.
Hop. Et. Rondoudou. Hop là. Pareil, il était après, tu vas venir, rondoudou. Ah oui, il était large après, en fait. Ok. Donc. On va mettre une petite pierre lune sur rondoudou. Histoire d'avoir le gros doudou des familles. Combiné, il y en a des Pokémon dans le... Combien, pardon, il y a de Pokémon dans le Pokédex en tout. 493 dans ce Pokédex-là, mais à l'heure actuelle, pour le Charme Chroma, en fait, il n'en faut que 488, étant donné que les 5 derniers ne sont pas disponibles dans le jeu. Voilà. Et Pierre Lune sur Melofey. Voilà. Bon, du coup, il nous en restera pas beaucoup à coup de Pierre Lune. Il nous en restera un ou deux, mais... Je crois qu'il m'en restera... Je suis pas sûr, faut qu'on voit. Faudra qu'on voit. En tout cas, ça avance. Il est beau, Mélodelphe. Alors, capturer que le Dex régional pour le chroma, non? Non. Non, non. Non, 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 c'est bien le national. Ok, alors on va juste refaire un tour encore. Viteuf. Histoire d'essayer d'avoir 5 œufs, comme ça dans le temps on a forcément un nid dorant. Enfin, statistiquement. J'ai une question. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf est défini au moment où je récupère l'œuf, on est d'accord? Et pas juste avant l'éclosion. Je peux pas, genre, farmer un œuf et juste avant qu'il éclose, sauvegarder et reset jusqu'à ce que ce soit un mâle. C'est maintenant là que c'est défini ce qu'il y a à l'intérieur. Si je dis pas de conneries. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Oui, ouais, il me semble bien. Hello. Ouais, au final, ça va mieux. Ouais, hier, j'étais un peu... Hier soir, effectivement, j'étais un peu pas bien et tout. Après, j'avais beaucoup bougé, il faisait froid et tout toute la journée, donc j'étais un peu... voilà. Mais là, ça va. Nidoking. Votre PC. Bon, alors c'était quoi? C'était 2500 pas à peu près. 2500 pas en sachant que les premiers ont peut-être déjà 1500 pas quasiment. Allez, on est parti. Bon, on y va plus tranquille. Hein. J'ai pas envie de me défoncer le pouce. Ouais, c'est à la réception pour le sexe. Enfin, pour le shiny. Bon, ouais, non, mais là c'est pour juste une dent. Ça va quoi en fait de tourner en rond? En tournant en rond, tu fais plus de pas que si tu faisais des allers-retours. Tu fais plus de pas plus rapidement. Tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi je tourne en rond. T'as combien de shiny? J'en ai deux. Qu'on a eu sans les chercher. Ils sont tombés tous les deux. Et c'est Trio Picker et Pharamp. Enfin, l'énergie qu'on a fait voler en Pharamp. Donc c'était assez, assez stylé pour le coup. Je rappelle le jeu dans mon aperçu, il fallait défoncer son joystick un peu, ouais. Un peu. Quel gameplay incroyable tu nous proposes là. Eh, un Pokédex à 100%, pas tout le monde qui vous fait ça. Hein. Et ouais, les gars. Et ouais. Regardez comme ça monte vite. Hein. C'est assez. Voilà. Ça monte très très vite si vous regardez les pas. Ça monte beaucoup plus vite que si on fait. Ça. En plus, ça s'arrête. À moins de faire un tour comme ça, mais du coup, tu perds ton alignement. C'est pas ultra rapide, quoi. Ah, bah tiens. Allez, on y croit. Comme ça, au moins, on se débarrasse des autres. S'il vous plaît. Nidoran mal. Yes. Allez, ça c'est fait. Ça passe. Je peux jeter les autres œufs? Ils vont m'emmerder. Non, attends.
Un œuf ne peut pas être lâché. Quel enfer. Qu'est-ce que je fais? Je les fais éclore? Je les relâche? Je les fais éclore et je les relâche, hein, on est d'accord. Il reste 1000 pas, genre. 1000 à 1500 pas. Je préfère faire ça, sinon ils vont aller dans mon PC. Et à un moment donné, on va devoir farmer un autre œuf, on va plus savoir lequel c'est. Je préfère m'en débarrasser. Une petite omelette, c'est ça. Tant on va avoir un shiny au milieu, on va rien comprendre. On va avoir un œuf shiny. Sans Masuda, rien. On va être en mode hey! Comment tu vas, shiny hunt? Voilà, vous voulez du shiny hunt? Voilà. Donc ouais. Donc j'ai vu, attendez, j'ai cru entrevoir, on était à combien? 454, un truc du genre? Oh cool, ils enchaînent, cool, ça enchaîne. 454. Ok, donc il en reste 25 à peu près, 26. Non, plus, putain, c'est pas 480, c'est 488. Bon, on avance quoi. On avance. Un pitrini femelle sorti à l'instant. Mais non, t'as réussi à avoir un pitrini femelle? Bah si tu veux, go un échange. Comme ça, je veux bien la pitrini femelle, comme ça je le fais monter en apirène. Grave chaud. Enfin, je fais juste finir d'éclore tout ça là. Mais éventuellement, si tu peux envoyer le code à un modo, comme ça il me le file aussi, comme d'hab. Ça, si on a la pitrini femelle, je dis oui. Je vais juste sortir les deux derniers là. Non, les... Mais il en reste plus qu'un, en fait, non? Parce que le premier était sorti... Il en reste plus qu'un, là, à sortir. Non, deux. Comment t'as fait pour avoir un apitrini femelle direct? Je croyais que c'était super rare. The fuck? What the fuck, man? Donc, je regarde un petit peu ce qui nous manque. Alors, je regarde, là, de tête, hein. Qu'est-ce qui va nous manquer, là? Je pense que pour la 1G, on va être bon là. Quasi. Coquillasse. Je crois que coquillasse, je l'ai pas. Si, je l'ai peut-être. Si, je l'ai, je crois. C'est bon, j'ai les deux derniers. Je pense qu'on va regarder celui qui nous manque. Ok. Bon, on se débarrasse de tout ça là. On les dégage. Ouais, coquillage, je sais, il y en a un booster, mais je crois qu'on l'a en fait. Je crois en fait qu'on l'a. Hop. C'est-à-dire que pour la technique Masuda, j'essaie d'avoir un shiny, je fais plein d'œufs, etc. Je peux enregistrer et reset à chaque fois. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas. Alors, on pourrait être transmise. Ok, j'attends qu'on m'envoie ça. Donc, on est à 454. Alors, revoyons depuis le début, mais a priori, on est d'accord que. Je sais pas pourquoi, en fait, je revois. On était à Gros Doudou. On a fait Mélofée également. Nedel, voilà, tac. Les Nidorans, du coup, maintenant, c'est fait. On continue. Qui est-ce qu'on aurait pas là-dedans? Sur cette version-là, on est bon, je crois. Ouais, coquillasse, c'est bon. Enfin, sur cette génération-là, je crois qu'on est bon. Allez, regardez. Ah non, je sais qu'il va nous manquer. Il va nous manquer Articodin. Kabutops qu'il faut que je fasse évoluer. Ronflex, c'est vrai. Et Articodin. Ok, pour la première génération, donc Kabuto en Kabutops. Niveau 40, ça va, du coup, c'est juste à farmer. Je peux pas t'écrire, ça marche pas. Mais c'est pour ça qu'on fait ça via Discord depuis le tout début, Miss. C'est pour ça qu'on utilise tout le temps Discord depuis le début, parce que je ne peux pas MP les gens. Sinon je les aurais MP direct, ouais. Ok, donc Kabuto il est là. Ouais, t'inquiète, vas-y, envoie. Ronflex, donc ça va être Goinfrex. Alors attends, Goinfrex. Donc on l'a Goinfrex, mais la question c'est
Juste par bonheur. Ok. Ah ouais, mais alors Gwynfrex... Ah ouais, je me rappelle. Gwynfrex, il va falloir refaire un œuf de Gwynfrex. Parce que Gwynfrex, il est dans les niveaux 60. Donc on va juste faire un œuf tranquillou. On va aller faire l'échange. Mais on va juste faire un œuf tranquillou. Et on sera good. Il repartira du niveau 1 et ce sera bon. Il faut juste qu'on vérifie qu'on ait l'objet qu'il faut pour avoir Gwynfrex, mais je pense que ça va le faire. Je crois que c'est l'encens, je sais pas quoi, donc je crois qu'on l'a. Donc c'est bon. Oui, il faut un item pour le Gwynfrex, oui. Mais on l'a l'item pour Gwynfrex, on avait vérifié. On avait vérifié et a priori on l'a bel et bien. Ouais, c'est good, je l'ai récupéré, merci beaucoup. Alors. Ok. Bah tiens, je te passe un apitrine animal, ça te va? Ah oui, effectivement, ça se voit bien le truc rouge. Effectivement. Apitrini. Il vaut le niveau combien quand il est femelle? Niveau 21. Ça va aller très vite. Merci Gallifrey. Merci beaucoup. Alors attendez. Gwynfrex. Je vais regarder sur le Pokédex. Donc Gwynfrex évidemment 4G. Blablabla. Alors, reproduction de Ronflex avec l'encens plein. Alors, est-ce que j'ai l'encens plein? Sinon, on va aller chercher. Et j'ai une question. Si je fais reproduire un Gwynfrex directement, j'ai pas malgré tout Gwynfrex? Non, ça marche pas, ça. Dommage. Attendez, j'ai une idée. Est-ce qu'on peut pas mindfuck le jeu? On est d'accord que pour avoir un œuf de Gwynfrex, il faut mettre l'encens plein. Donc ma question, qu'est-ce qui se passe si je fais un œuf actuellement avec mon Gwynfrex, mais que je ne lui mets pas l'encens plein? Est-ce que j'ai pas un Ronflex directement? Non, j'y croyais aussi. On est sûr de ça? Parce que sinon, rien. Rien, c'est-à-dire, il n'y a pas d'œuf? Merde. Dommage. Ça aurait été beau, putain. Ils y ont pensé. Ils y ont pensé, les salauds. Alors, attends. La pitrine, il va là. Les Pokémon ne s'entendent pas dans la pension. Ok, alors, attends. En sans plein. Est-ce qu'on l'a? En sans plein. Bon, c'est bon, là. C'est bon. Allez, hop là. Ça part. Alors, Gwynfrex... Il m'a la tête de scroller comme ça. Ok. Voilà. Donc. Enchaîne bien, là. On va aller faire l'XP et tout, vous inquiétez pas, mais... Hello. Tiens, Gwynfrex, niveau 63. Il est beau, Gwynfrex. Pour le coup, Gwynfrex, c'est un beau Pokémon, je trouve. Putain, c'est dommage. C'est dommage que la technique, elle marche pas. Ça aurait été un brain incroyable. Par contre, Gwynfrex, à mon avis, il met du temps à sortir de l'œuf. Oh. Je pense. Non. Non, je pense que je veux pas. Merde. Ah! Les œufs de Ronflex, ça me fait rire. Un truc de 300 kilos qui sort d'un œuf. Ouais. Il est long à faire l'œuf, par contre. Tu peux pas avoir un œuf de Gwynfrex, normalement. Ah, je peux pas du tout? Avec un œuf de Gwynfrex? Ah, merde! Ah! Oh putain, c'est chiant ça! Ah ok. Donc ça voudrait dire qu'il me faudrait un œuf de Gwynfrex. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Ronflex?
Est-ce que... Ouais, c'est comme Togepi, ouais, merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Oui, j'ai. Ah bah écoute, je dis pas non. Avec le même code. Du coup, parce qu'effectivement, là, il nous a brain. Parce que, alors, je réexplique pour ceux qui posent la question, pourquoi est-ce qu'on fait pas juste évoluer ce Goinfrex? Parce que pour le faire monter, on a calculé hier, globalement, un Pokémon qui part du niveau 1, pour le faire évoluer, par bonheur, c'est aux alentours des niveaux 35. Globalement, en lui faisant prendre masse niveau. Mais donc là, le problème, c'est que lui qui est déjà dans le niveau 60. Voilà, et Grolocoque, ça change pas grand-chose, c'est pas super important, Grolocoque, c'est que pour les pas. Donc voilà. Voilà. Tu l'as actuellement ou tu peux le faire, Gallifrey? Genre, je te rejoins sur la room qu'on a fait il y a 2 secondes ou pas? Lockpin, tu veux? Ou tu fais? Bah, Lockpin, c'est par... Je peux faire un œuf de la poreille, non? C'est le même principe. Je peux faire un œuf de la poreille et je fais évoluer, non? Attends, Lockpin. La poreille. Oui. Non, mais je vais le faire, alors. Je vais le faire, t'inquiète. Lockpin, c'est par bonheur. Ouais, non, je vais le faire, Lockpin, t'inquiète. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai mis 1000 ans pour gonfler, j'avais uniquement un Goinfrex niveau 60. J'avoue que j'ai un peu d'aide. Mais c'est un Pokédex qu'on va réussir tous ensemble, mesdames, messieurs. Gallifrey, je peux te rejoindre sur le code que de tout à l'heure? J'y suis, j'arrive. Hop. En vrai, est-ce que je pourrais ne pas cacher le code? Je sais à quoi tu ressembles, non? On tente ou pas, Gallifrey? Mayday, mayday, mayday. Tentons. Tentons. Au pire, on changera de code. Où es-tu? Vite! Where are you? Et là. Il ose. Ah, j'en ai marre de sortir la Switch à chaque fois, je dois la faire tomber et tout. C'est 2 places max. Vous pouviez pas me dire ça avant? Genre, allez, ça fait 2 semaines qu'on fait des échanges, vous me dites maintenant que les autres peuvent pas join? Pourquoi on cache le code? J'ai envie de pleurer, putain. Bon, bah, on arrête de cacher les codes. Mais non, mais tu me donnes un Ronflex directement. Mais non. Mais non. Pas le Ronflex directement, moi ce que je veux c'est le Goinfrex niveau 1 comme je t'avais dit pour l'XP. C'est pas possible? Là pourquoi tu me donnes le Ronflex directement? J'ai bien demandé un œuf de Goinfrex, tu m'as dit oui j'ai. On peut pas Goinfrex niveau 1. Pourquoi tu peux pas Goinfrex niveau 1? Si tu fais un œuf de Ronflex avec l'encens plein. T'auras un Goinfrex niveau 1, non? Je comprends pas. Pourquoi tu peux pas? J'ai pas l'encens plein. Bah, tu nous aides pas là. bon, ok, mais bon. Bon, ceci étant, si on est pragmatique, mesdames, messieurs, on aurait eu un... De base, on devait avoir un Goinfrex niveau 1. J'allais faire 2 combats contre le Levenard, il passait 35, il évoluait. C'est juste un gain de temps d'un quart d'heure, en vrai, ça va. C'est pas un truc genre que je n'aurais pas pu obtenir par moi-même, effectivement. Tant qu'on le fait pas à chaque fois... Si, file lui, il lance en plein. Ouais, mais tu vois, au final, tu perds plus de temps que si... Enfin, ouais. En vrai, bon, ça va, c'est pas... Encore une fois, on n'est pas sur un truc inatteignable. Hein. On l'aurait eu, en fait. C'est juste... Avec l'œuf de Goinfrex, on l'aurait eu en très peu de temps. C'est pas abusé non plus. Ouais, je suis d'accord. C'est pas comme Barpo, tu vois. C'est pas comme si tu m'avais filé un Barpo, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Si tu m'avais filé un Barpo, là, ça serait abusé, quoi. Là, voilà. Un Barpo, ça aurait été chaud, quand même.